déchirer une pièce. Là, c'est deux. On va déchirer en deux. Vu les personnes enregistrées, vu le nombre de personnes enregistrées, je crois bien qu'on va. On sera obligé de réduire les quantités. On a juste les deux bouts et après vous divisez en deux. Ça fait deux pièces. Donc là, il y a deux pièces. Là, le savon. Là-bas, c'est le gobelet qui est là. Plus les sous. Là, ils sont des pommades, lait de beauté. Qu'on va donner aux femmes enceintes. Là, c'est des slips. Là, ce sont des slips. Il y a 900 slips que nous avons comptabilisés ici. 900 slips. Là, ce sont des paires de 300 sandales. Là, les préservatifs que nous avons dessus. Ça, c'est pour les hommes. Et ça, c'est pour les femmes. Deux cartons pour les femmes. 16 cartons pour, 16 les, pour hommes. Les hommes. Au premier abord, quand un réfugié arrive, il a besoin. Bon, il a besoin d'une natte, une couverture, moustiquaire, le seau plus les marmites. Les marmites et le savon. Ça, c'est un kit, c'est des maladies sexuellement transmissibles et des soins. Ça, c'est un kit, l'aide à l'accouchement clinique, équipement réutilisable. Les machettes, c'est pour les groupements. Le groupement, parce qu'il y a des réfugiés qui sont intégrés, les RDC, intégrés, donc on leur donne les matériels aratoires pour pouvoir s'occuper, faire des jardins, des champs, et les RCA aussi, on a donné pour les RCA, et les pirogues, parce que par exemple pour le groupement de pêche, ils ont besoin de machettes, des filets, des hameçons, tout ça là, on a déjà distribué. Oui, ça veut dire que par rapport au nombre de femmes que nous avons enregistrées, nous allons mettre à la disposition de chaque réfugié, femme réfugiée sans Afrique enceinte, un kit composé d'une pièce réelle, d'un seau avec couvercle, une assiette en plastique, un gobelet, une serviette hygiénique, une marnière, des slips et des savons, sans oublier la pommade. Voilà, ça c'est chaque femme enceinte enregistrée, chaque réfugié enceinte enregistrée aura droit à un kit composé de tous les articles que je vous ai cités.